Je suis à deux doigts de vomir. Ils m'ont refusé parce que je porte un débardeur. Ah non mais le jacuzzi. Tu pues les crustacés hein. Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Punta Cana. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai amené Fabien en voyage surprise dans un endroit qu'il voulait trop aller. Actuellement il fait combien de degrés? Actuellement il est 7h08, il fait déjà 26 degrés. C'est le paradis sur terre clairement. Et du coup là vous allez suivre avec moi toute notre journée là-bas. On va visiter l'une des plus belles îles du monde. Ça s'appelle l'île Saona. Et j'ai vraiment trop hâte parce que c'est une sorte de croisière. Ensuite tu te baignes dans l'eau des Caraïbes. Ah mais je vous jure ça a rien à voir ici. L'eau elle est hyper chaude. Tu galères pas à rentrer tu sais. Limite tu plonges tout de suite. Par contre on va s'activer parce que c'est à 7h30. Derrière Fabien il est toujours pas levé. Mais avant que la vidéo commence n'hésite pas à la liker en bombe, à t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours pas fait. D'ailleurs je poste une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre à 18h. Oh my god là on se dépêche. Il est 7h25. Mais c'est pas possible d'être toujours en retard même à Punta Cana. Purée. À tout moment ils partent en excursion sans nous. J'aurai le seum parce qu'on aura payé pour rien. Et c'est pas remboursable, hein, vous croyez quoi? Il n'y a pas écrit motif retardataire. Je vous montre vite fait, mais là c'est l'une des piscines. Oh, c'est trop beau. Juste à côté, c'est ouf, il y en a une deuxième. Le décor est tellement paradisiaque. Non mais depuis qu'on est ici, on s'est pas disputé une seule fois. On s'est pas du tout énervé. Et vraiment, il y a une atmosphère, elle est magique. Je crois que c'est la première fois qu'on n'a pas loupé un bus de toute notre vie. On était même en avance, hein, pour vous dire. Bon, de quelques minutes, hein, croyez pas qu'on était en avance de 1 heure. Là on est dans une aire d'autoroute pour aller faire pipi. Et c'est une genre de boutique, je vais vous montrer. Mais c'est archi beau. Regardez par exemple les tableaux, très galerie, très musée du Louvre. Incroyable. J'ai vu plusieurs fois des sortes de figurines comme ça. Je sais pas si c'est typique du pays, mais c'est trop beau. Ici aussi le temps c'est grave aléatoire. Par exemple là il faisait que de pleuvoir, mais là c'est grand soleil. Vraiment on dirait on est en été et en hiver en même temps. Bon après la chaleur ça bouge pas. Même s'il pleut il fait toujours chaud. Bon on est enfin arrivé pour aller prendre le bateau. Il me semble que ça va être un truc comme ça. Et du coup l'île elle est tout là-bas. Ici il y a beaucoup de vendeurs comme ça. On vient de voir cet arbre. On sait pas si c'est un cocotier. On doit attendre 5 minutes notre bateau. Mais 5 minutes chez eux c'est au moins 30 minutes. C'est vraiment insupportable par contre. Mais pourquoi il y a un perroquet oui. Par contre n'importe où tu vas, l'eau est vraiment transparente. C'est un truc de fou. C'est hyper choquant mais genre je crois j'ai vu aucun moustique encore. J'ai cru on allait se faire envahir. Ah ils partent. Putain on a failli louper le bateau. Heureusement t'as vu les autres partir hein. On est enfin dans le bateau. Bon j'avoue là c'est pas ouf. On va un peu trop vite là, qu'est-ce qui se passe? Oh my god, mon téléphone va tomber. J'ai vraiment hâte d'aller me baigner là. J'ai vraiment hâte d'aller me baigner là. Pourquoi tu me mites frère? Bolos. Tu veux quoi? Donc là ça y est je vais enfin sauter. La mer elle est incroyable donc je vais pas hésiter comme je vous ai dit. Ça va, elle est trop bonne wesh. Mais vas-y viens, qu'est-ce que t'attends? On est remonté dans le bateau et là normalement on va aller à l'île Saona. Et enfin on va pouvoir manger je pense. Parce que là clairement j'ai trop faim. Ok on vient actuellement d'arriver sur l'île. Comme je vous ai dit c'est censé être l'une des plus belles îles d'ici et du monde entier je crois. Mais regardez déjà comme c'est incroyable. Par contre je vous avoue j'ai un peu mal au ventre. Mais ça je le savais parce qu'en fait j'ai le mal de mer. Tout le temps ça me fait ça. Les gars je suis dégoûtée. Je suis à deux doigts de vomir. Fallait vraiment que ça arrive dans un moment comme ça. Alors qu'ici c'est super beau. En plus j'ai pas pris de médicaments contre le mal de ventre. Eh hey, je vous jure je suis archi mal. Je sais pas si c'est la nourriture d'hier parce que ce matin j'ai rien mangé. Seigneur. Pendant que là c'est littéralement incroyable. Et Fabien qui profite à fond, qui se baigne et tout. Franchement j'en ai marre. Pauvre petit bébé. J'ai de la peine pour moi, je fais vraiment peine à voir. Mais je vous jure j'ai jamais eu autant mal au ventre de toute ma vie. Ok donc là on va enfin manger. C'est genre un buffet aussi. Et du coup moi j'ai pris des pâtes avec de la viande et du pain. Bien sûr du coca. J'avoue j'ai pris exactement la même chose que Fabien. Mais après sinon c'était du poisson. Et vu comme j'ai mal au ventre, j'ai pas du tout envie de manger de poisson là tu vois. Les ananas ici ils sont incroyables. Je suis hyper content, ça va beaucoup mieux. Je peux enfin profiter mais ouais. Wesh, c'est un truc de fou. Je crois que je réalise même pas où je suis. Et la chance que j'ai de pouvoir être ici surtout. Écoutez un peu. Trop relaxant. Regardez comme c'est magnifique.
Je me suis absenté 2 secondes, j'ai perdu Fabien. Je sais même pas où il est. Mais comment je vais faire pour le retrouver ici? Alors que ouais, j'ai pas de réseau, y a rien du tout. Je peux pas lui envoyer de message? Non, parce que clairement ici, je crois pour envoyer un message, ça coûte 10€. Qui va payer 10€ même pour retrouver Fabien? Pas moi en tout cas. J'ai fait mes meilleures photos pour Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, c'est mat.brt, pour avoir toutes les exclusivités avant tout le monde. Au moins, vous pouvez bien suivre le voyage à Punta Cana en même temps que moi. Le revoilà, enfin! Eh bah, dis donc, je te cherchais de partout, wesh. J'étais juste en train de faire pipi, hein. Bah, merci de prévenir, hein, la prochaine fois. Elle est froide, il y a trop de cailloux. Je m'attendais pas à ça, wesh. Ah, je me suis pris un rocher dans le pied. Je vous jure, j'arrive plus à marcher. Par contre, il fait tellement chaud que même si elle est froide, ça fait du bien. Il y a des gros trucs comme ça, ils arrivent d'un coup, genre sur nos jambes et tout. Oh. Normalement, on est censé entendre la mer. Oh, ça marche. Je suis choquée. Là, je suis partie m'acheter une noix de coco pour goûter. J'en ai toujours rêvé. On en voit de partout et là, c'est à mon tour. Donc, je vais vous dire si c'est bon. Je pensais que c'était froid, mais quand on y pense, c'est normal que c'est chaud, enfin, ils vont pas le mettre au frigo, t'as capté? Et sinon, ça a vraiment le goût de la noix de coco, pure et dure. Et vu que j'adore la noix de coco, c'est incroyable. Yeah, on dirait vraiment un touriste comme ça. Après, c'est ce que je suis, un touriste de A à Z. C'est pas bon, hein. T'aimes pas? Non. J'ai payé ça 3€. Je sais pas si je me suis fait arnaquer, honnêtement. Mais après, ça me fait plaisir si je leur ai donné plus. Parce que ici, c'est pas comme en France. La pauvreté est beaucoup plus extrême. Oh non, on doit déjà partir de l'île. Je suis trop triste. Et là, en plus, on va reprendre le bateau. Oh, seigneur. Mais normalement, là, ça va être une sorte de catamaran. Vous savez, là, les grands bateaux. Donc, je sais pas si je vais avoir moins mal au ventre que à l'aller. Mais bon, on est obligé pour rentrer, écoutez. Par contre, là, je suis choquée. Je viens de finir la noix de coco. Je l'ai fini en 2 secondes. Je pensais qu'il y avait grave du jus, mais en fait, pas du tout. Non, mais je meurs, Fabien l'artiste. Il m'a dit, j'ai dessiné un œil. Je sais pas où vous voyez l'œil, hein, perso. Mais wesh, on dirait plus un soleil qu'autre chose. Allez. Ha ha ha. Oh non. Du coup, voilà, on est dans le bateau. Là, ils ont mis de la musique et tout. C'est n'importe quoi. Il y en a, ils dansent. En plus, les boissons, elles sont à volonté. C'est archi bien. Il y a beaucoup trop de vent. Mais là par contre, c'est improbable. On est sur un filet. En dessous, il y a la mer. Enfin, l'océan. On sait pas trop. Ah non, mais le mat. C'était trop gênant. En plus, c'est pas stabilisé du tout. Ma carrière de danse s'arrête ici. Ça y est, on est rentré sur la terre ferme. Oh, ça fait bizarre de marcher, je vous jure. Mais du coup, là, mes cheveux, avec le vent, l'eau, ils ressemblent plus à rien. J'ai besoin d'un shampoing express. Mais toi aussi, tes cheveux, on dirait un moine. Eh, vraiment, là, ma tête, j'en peux plus, hein. On est censé être beau en vacances ou pas? Parce que là, je crois qu'on s'est trompé de casting, hein. De retour dans le minibus, j'ai envie de vous dire. On est bien rentré à l'hôtel, vu qu'il est 18h, on va juste aller prendre des pizzas pour grignoter parce que là c'est plus possible. Je crève de faim vraiment. Et ensuite on verra les activités qu'on peut faire ce soir pour ensuite manger aux alentours de 20h, 21h. Ici par contre j'ai un sérieux problème. C'est pas, c'est le restaurant à volonté de l'hôtel, donc il y a que les gens de l'hôtel qui peuvent y accéder. Vraiment c'est un buffet à volonté, hein. C'est pas du tout un restaurant haut de gamme. De toute façon je vais vous montrer après ce qu'il y a, mais c'est pas du tout un truc de fou. Ils m'ont refusé parce que je porte un débardeur. Apparemment je peux pas. Ok, dans un restaurant. Mais là c'est trop wesh. Heureusement que j'avais un t-shirt de rechange dans mon sac. Moi je trouve ça abusé par contre. Surtout qu'il fait 30 degrés, à croire je vais me mettre en t-shirt. Bon bah voilà les pizzas qu'on est en train de prendre. Il bouffe tout lui. Mais du coup voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas un restaurant 5 étoiles. Je comprends pas vraiment. Surtout que t'es en vacances dans un hôtel comme ça, enfin wesh, faut apprendre à manger, hein. Par contre je suis obligée de vous le dire, mais les burritos ici, c'est quelque chose, hein. Ils sont trop trop bons. Oh, vraiment excellent. On est en enfin rentrer dans la chambre. Oh, je suis exténuée. Je serais vraiment capable de m'endormir à l'heure actuelle. Mais là, faut absolument que j'aille à la douche. C'est pas possible. En plus, apparemment, il y a une sorte de spectacle ce soir. On va aller y faire un tour. Non, mais là, je suis clairement dans le bain jacuzzi. Eh, vraiment, je kiffe cette baignoire. On est tellement bien. Oh! Par contre, j'ai failli tomber. Si ma caméra tombe dans l'eau, là, c'est fichu. Ah non, mais le jacuzzi. Et bien sûr, demande des vidéos YouTube. On est YouTubeur ou pas, là? Regardez comment on est beaucoup plus beau. Vraiment, la douche, ça change la vie. Surtout toi, bébé. Et en plus, ça puait. Il puait la moule, hein, moi, je vous le dis. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu pues les crustacés, hein. À part ressembler à une écrevisse, je sens rien du tout. Mais pas du tout. J'ai une morue à la maison, si vous voulez. On est heureux dans le restaurant à volonté.
Cette fois, ils ont accepté ma tenue hein, quand même. Et du coup, là, on mange un peu pour aller retourner au spectacle de magie. Je vous jure, il est incroyable. Bon appétit. Par contre, là, on fait une petite balade nocturne. C'était pas prévu. Oh, mais regardez comme c'est trop bon. On dirait Disneyland. Ici aussi, wesh. Garden Circus. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans, mais c'est incroyable. Tellement l'hôtel, il est grand. C'est perdu. J'ai envie de rentrer. Ah, mon baby shark. On s'est repéré. Il a réussi à retrouver le chemin. Toujours grâce à moi, comme d'habitude. Oui, parce que moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Allez, bisous. Ah non, mais regardez-nous. Un petit bain de minuit. Enfin, il est 22h, donc c'est pas trop minuit. C'est vraiment trop romantique. My god, mes amours. Bon bah du coup les Big Mac, c'est comme ça que la journée s'achève. Je peux vous dire qu'on est crevé. Il est 22h49. En temps normal, je me couche vers 4h du matin. Mais là, vu qu'on se lève tôt, on se couche tôt. Et on profite tellement en une journée que c'est vraiment épuisant. Mais c'est de la bonne fatigue. Ah mais non, moi j'ai encore le montage de cette vidéo à faire. Je vais sûrement me coucher aux alentours de minuit alors. Même un peu plus tard, qu'est-ce que je raconte. Enfin bref, n'hésitez pas à liker la vidéo en bombe pour me soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est toujours pas fait. Et activez la cloche de notification parce que je poste une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre à 18h. Sur ce, prenez soin de vous. Soyez des bergers, pas des moutons. Bisous les Big Mac. Mouah.